Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Never Ending Nightmare. Alors, comme vous vous en êtes aperçu, j'ai changé de micro et je le dis pour ceux qui ne regardent pas les autres vidéos, car j'ai déjà tourné une vidéo avant celle-là avec ce nouveau micro. Et voilà, c'est mieux, mais j'y suis pas encore habitué, donc pour au niveau réglage, c'est pas encore ça. Je vais bien finir par trouver. Hein. J'ai aussi changé donc de casque et j'entends encore plus les sons effrayants de ce jeu. Alors déjà qu'il était très effrayant, il est encore plus. Bon, j'espère que je vais réussir à finir la série quand même, que ça va pas trop me faire peur, que je vais pas faire de crise cardiaque en cours de route. Donc si vous ne m'entendez plus commenter, c'est pas normal, appeler les pompiers ou remarque, je pourrais peut-être pas poster la vidéo en fait. Enfin. Oula, il commence à faire noir. Bon, j'essaye d'aller le plus vite possible parce que l'ambiance c'est pas terrible. Les murs sont tout déchirés, le son est bizarre, il y a des rires et tout. Mais bon, pour l'instant, ça va. Oula, qu'est-ce que c'est? What? Ok, alors c'est pour se cacher. Ça m'inspire rien de bon, ça. Si on peut se cacher, c'est qu'il doit y avoir un truc. Oh là là. Ok. Allez, dépêche, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh là là, des greniers. Un peu tout quand même, on sait jamais. Peut-être des armes ou un autre chemin. Regarde, oula! Voilà. Pourquoi ça m'emmène dans un autre couloir? C'est pas logique ça. C'est un vrai labyrinthe ce. Ouah, toutes ces poupées, c'est quoi ces poupées? Regardez, il manque un œil. C'est glauque. Et lui, il manque la tête carrément. Oh là là. Alors, je sais pas qui a fait la déco, mais Valérie Damido a régressé hein, depuis le temps. Je sais toujours pas à quoi ça sert ces cadres. Peut-être qu'un jour on va voir un truc. Excusez-moi si vous m'entendez renifler, c'est juste que je suis peut-être un peu malade quand même. Du coup, j'ai le nez plein. J'espère que ça va pas trop vous gêner. J'ai dormi cul nu cette nuit et j'ai attrapé froid, voilà. J'entendais pas, c'est pas normal. What? C'est quoi ça? Oh! Un gros bébé! Tu ne m'as pas fait peur. Par contre, là, tu me fais peur. Allez, vite, cours, 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 cours! Je sais pas du tout ce que c'est. Mais je suppose qu'il faut pas se faire attraper. Encore, je descends! Il y a combien d'étages dans cette maison? En fait, on m'a pas dit, mais je me retrouve sur les deux tours jumelles qui ont. Ah, ok, c'était. Ne pas faire cette blague. Où? Elle a des fleurs. La poupée, elle a des. La poupée mariée, là, elle a des fleurs. Je peux cliquer dessus. What? Ok. Et? D'accord. Mais on voit pas son visage là. Genre, le mec, il lui a enlevé le voile quand même. Ah, il y a une lettre.
commence à avoir les frissons qui me montent sur tout le corps. Oula. Ok, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Bon, c'est bon, y a rien. J'entendais pas de pas, mais on sait jamais quand même. Je sens le truc, je vais arriver là, je vais en trouver une et je vais pas voir du tout la même chose. Des trucs. Oh là là. Je suis parano. Encore je descends, mais c'est fou! Je suis au 60e étage, c'est pas possible. Je sais pas vous, mais moi ça me rassurerait de monter vers la terre ferme plutôt que descendre au sous-sol. Ah, des bébés qui se cachent derrière les manteaux. Sympa. Oula, c'est quoi ce mur fissuré là? What? 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 Cours, cours! Oh putain! Oh mon dieu! Il est derrière la porte en plus, il tape sur la porte, l'enfoiré. Allez, dépêche. Tiens, là, il y a la mariée. Je pense pas qu'il puisse rentrer, il est trop gros. Hein. Il fallait pas autant manger d'humains, quoi. Non, ne soyons pas vulgaires, ne soyons pas vulgaires. Ok. M'a bien fait flipper quand même. What? En plus, la poupée, elle a cligné des yeux. Oh là là. Ok, alors bon, on se réveille. On se réveille, je ne sais pas où. Aucune idée. Hein. Il y a encore plus de poupées, de plus en plus. Ça m'inspire pas confiance tout ça. Là, une autre. J'en étais sûr, je le savais. Ça, un rien fait flipper dans ce jeu, quoi. C'est fou. J'entends pas de bruit, alors on va y aller. Là par contre j'entends un bruit là. Ils sont flippés, c'est fou hein. Ils sont vraiment bizarres. J'entends parler. Encore? J'entends des bruits de pas encore. On va attendre. J'espère que j'ai un jeu de cartes avec moi pour pas m'ennuyer quand même. Ah voilà. Ah c'est le même en fait. Du coup j'aurais dû partir. Allez on va essayer, on va tenter le coup, on va. Oh il m'a vu, il m'a vu, il me court après. Non, 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 non. Merde. Toi. Bon bah c'est raté. Oh, arrête! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, il est où? Oh! Il est où? Il est où? Par contre, non, c'était mieux de l'autre côté. Ah. What? What? Je suis pas là-dedans. Je suis pas dedans. Non, je suis pas dedans.
Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, on va pas se mettre dedans. On va pas se faire avoir comme tout à l'heure. Encore! Purée. Oh purée. Encore? Non, 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 Bon, voilà ce que ça fait de pas être patient. Mon Dieu. Bon, allez, cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Passer, on va le suivre en espérant qu'il se retourne pas. Doucement, 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 doucement. Et on va pas le suivre plus loin, on va se cacher par ici parce que. Celui-là qu'il faut que je me cache, c'est au prochain. Ah, bon, c'est pas grave. On va attendre, on va patienter tranquillement qu'ils reviennent, on va pas se faire avoir. Ça. Oh. Il est pas venu jusque-là. Bon, bah on va le laisser venir jusqu'ici alors. Ouh, bah on a bien fait. Ça va, ils ont une visibilité nulle derrière, donc c'est déjà bien. Ah, on monte, enfin on monte. J'en pouvais plus de descendre, moi, j'avais peur, hein. Bon, du coup, j'ai un nouveau micro, mais j'ai le nez bouché, donc c'est c'est génial pour commenter. Ah, ici, il fait lumineux. Lumineux, ouais. Ah, ouais. Mais il y a ma petite sœur qui est morte. Non. Ah. Ah ben c'est ça qu'on avait vu au tout début, je pense, non? Ouais, voilà. Ok. Par contre, t'as pas écrit sur le mur ensemble. What? On apparaît dans un asile psychiatrique? What? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? On peut voir, je pense. Non. Je préfère rester loin de la porte alors. Non. Non, non, je reste dans ma chambre. Non, je ne sortirai pas. Je suis très bien ici. Je suis en sécurité. Fermez la porte. Oh là là. Bon bah on va y aller parce que c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ok.
là, ça, alors ça, je vais vous dire, ça sent le screamer derrière une fenêtre un moment. Ici, allez. Ah non. Même pas. Ok, c'est fermé. Ah, il y en a d'autres. Je suis sûr qu'il va y avoir un screamer, mais pourtant, je flippe à mort, quoi. Déjà d'avance. Je sais pas si je vais le terminer ce jeu. J'aurais été sûr qu'il allait y avoir un putain de screamer. Je le savais, pourtant j'ai quand même flippé ma race. Je vais faire une crise cardiaque avant, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Oula, qu'est-ce que c'est que cette chambre? C'est bizarre. Ouais, mais moi aussi je dois respirer, hein, s'il te plaît. Non, il va y en avoir un autre. What? C'est quoi ce bruit? Ça vient de la gauche, je ferai pas demi-tour. Non, arrête-toi! T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Allez. Là, c'est la même pièce qu'avant, sauf que c'est ouvert. Et tu sens par terre. Ok, bah on va descendre. Encore descendre, toujours descendre. Le mal est vers le bas. Là, on apparaît dans une forêt de papillons et de fleurs. S'il te plaît. Bon, je sais pas pour vous, hein. Jouer à ce jeu, c'est extrêmement flippant. Je sais pas si regarder, c'est pas, ça fait le même effet. En tout cas, si vous connaissez un jeu plus effrayant. Oh putain, oh putain, oh putain. J'aime pas ces bruits, j'aime pas. Ouais, donc je disais, si vous connaissez des jeux plus effrayants que ça, surtout ne me le dites pas, ne me faites pas y jouer, parce que je ne veux pas mourir. Ok, alors est-ce que j'ai une bonne vue? EVERYTHINGISA E-V-E-R-Y, et je crois que c'était un F tout à l'heure. THINGISALIK. Wow. C'était super passionnant. J'espère que vous avez apprécié ce moment de lecture. Tiens. Non, rien en fait, je sais pas. Je sais pas ce que je dis. Je sais pas. Je suis perturbé. Et c'est sur ce grand malade mental qu'on s'arrête. Je sais pas ce que c'était, c'est un fou furieux, un zombie, je sais pas du tout ce que c'était. En tout cas, ça m'a bien fait flipper cette scène, cette séquence avec vous. J'espère que ça vous a plu. Hein. Vous connaissez la chanson, un pouce vert, partagez, blablabla, voilà. Et j'espère vous voir nombreux pour la suite. J'espère que je vais faire de crise cardiaque à personne non plus, hein, parce que mon but n'est pas de vous tuer, même si. Nya, nya. Ouais, enfin voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bisous, bye bye.